Selon le calendrier de l'année académique 2020-2021, rendu public par le ministère camerounais de l'enseignement supérieur, la rentrée universitaire est fixée au 15 octobre 2020, une date plutôt attendue par ces petits métiers nés de l'activité universitaire. Des photographes, des photocopieurs, des secrétaires qui ont hâte de retrouver le rythme de leurs activités, ralenties par la crise sanitaire du Covid-19. C'est une période morte pour ces professionnels de la saisie informatique depuis le mois d'avril 2020. Difficile pour eux de joindre les deux bouts. Les consommables ont augmenté parce que les gens disent qu'ils ne voyagent pas et d'autres nous disent que la marchandise est bloquée dans le bateau, donc c'est en route quand même. Bon, on n'attend pas même ça, les imprimantes, même on nous vend les fausses encres. Maintenant, il y a plus. Si tu charges l'encre, tu dépannes même 10 fois plus où tu as chargé l'encre. Donc, en sorte que les choses vont vraiment mal. Ferdinand est un étudiant en communication, mais aussi un photocopieur. Cette activité lui permet de financer ses études, mais aussi son logement. La rentrée universitaire prévue le 15 octobre 2020 est pour lui l'occasion de relancer ses activités. Covid-19 situation, but we are hoping that with the resuming of school. Nous espérons qu'à la rentrée des classes, le 15 octobre, les activités reprennent normalement, que des aléas comme le Covid-19 qui ont eu une incidence sur les affaires des uns et des autres prennent fin, de façon à ce que nous puissions vaquer normalement à nos activités quotidiennes. Les activités pour ces petits métiers reprennent timidement. Plusieurs jeunes constituent en effet leur dossier de candidature en prélude aux concours nationaux. La relance complète des activités, cependant, est prévue pour le mois de novembre 2020.